revient au-dessus, les accusations de maintenant tonnes, et ce qui se dit, et ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais il n'y a pas un espace profond de liberté créé par nous pour l'analyse et la critique constructive, pour réfléchir à changer le paysage. Nous avons besoin de cet espace. Évidemment, nous avons fait de notre mieux pour créer un espace à Scoop chaque jour. Mais nous ne sommes pas les seuls, il y a également d'autres médias. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas seulement l'espace, il nous faut avoir des hommes et des femmes. Et nous sommes en manque, vraiment. Quand on est en train de réfléchir par rapport à ce qui se fait dans le pays, on se demande, est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui est capable de dire que nous sommes des Haïtiens à part entière et que vous pouvez prendre tôt par les cornes pour être capable de changer le pays. Donc, nous sommes quatre, mais nous allons commencer l'émission avec Val et Capane. Marco va arriver tout à l'heure parce qu'il est déjà de l'autre côté de la Manche. Hein? Monsieur Aboufini, nous pourrons le parler. La thématique aujourd'hui, ce sont les déclarations du Premier ministre, parce que nous pourrons analyser de manière objective. Mais je profite d'abord pour répondre à quelqu'un qui m'avait écrit concernant Youri la Tortue. Je répondrai à cette personne qu'en fait, je n'avais pas accordé d'espace à Youri pour être capable, parce que Youri est un ami, pour être favorable à Youri la Tortue. C'est qu'en fait, vous avez une mauvaise lecture. Cependant, vous connaissez moi-même. L'homme, on a une route, on voit qui paraît normal, qui paraît correct, on recadre, mais avec élégance et sans acrimonie, comme on dit. Youri n'était pas invité. Nonton était invité et Nonton t'a parlé de problèmes qui ont rapport à ce génère. Et à la fin de l'émission, aux environs de 3h15, 3h17, Nonton évoquait le cas de Luna et Youri était sous route de l'aéroport pour chercher un monde et il courait quitter mon aéroport pour venir répondre. Donc, ou pas de connaître l'histoire. C'est comme ça. Le ou besoin équilibré, ou créer tant de paroles pour tout le monde. Et c'est nous-mêmes qui pifons dans ça. Regardez, là nous sommes pifons là-dedans, et tout le monde, oui. C'est que nous sommes la radio de l'équilibre. Un exemple. Je ne peux pas citer ça pour être capable de pointer du doigt aux médias. Mais je vais citer en termes de référence et gens médias structurés. Gadil, moi pensé, Youri te le doit apparaître dans Vision 2000 pendant Valérie a fait émission. Et puis il dit Valérie, il m'a donné un droit de réponse. Mais en aucun cas, Youri pas qu'apparaître dans Radio Métropole pour moi de vous parler tout de suite. Sous les cas d'y menti, faire un Ekfel et dire qui joue l'autre Ekfel. L'homme dit ça, et pas dit, il me dit, radio ça n'a pas bon nom. Non, radio ça a une structure 1, les structures ont genre 1. Deuxièmement, émission à faire, il n'y a pas qu'à accepter au monde, paraître comme ça la donne. Deux, troisièmement, il s'agit quand même de Richard Rudmayer. Qui je vous ne pas dire là? Il s'agit de Richard Rudmayer. Donc, de qui soit pas là. Youri Vini, il était droit pour déballer. Et c'est ma façon d'évoluer le temps de parole. Les leaders politiques, les femmes politiques, etc., ils sont des invités. Chaque jour de ce coup, il y a droit pour vous parler. Nous avons également le droit de chercher la vérité. C'est pas comme on a fait un bagay. On scoop, et puis après ça, on l'autre nègre qui est de l'autre côté attaqué, scoop,
Parce que bon dossier, tu as débattu dans ce coup. Ou mettre continuer à attaquer, nous pas même occuper, leur attaquer. Parce que nous-mêmes, tout le monde connaît qu'on a besoin de nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de nous. Et nous-mêmes, nous c'est journalistes, nous-mêmes, ou pas journalistes. C'est-à-dire, au minimum, pour gagner. Et je profite pour me saluer, directeur ILCCA. D'abord, qui t'a écrit, mais qui t'a fait une injonction pour te voir émission en balle. Mais ça que fait me saluer, ce n'est pas pour injonction. Je me salue parce qu'en fait, avocat m'écrit. Et moi, je parle avec le téléphone. Je me dis, ou pas qu'à. Et je me salue, je me remercie Marvel Dandet. Que me une conversation assez franche avec elle, qui était dans désaccord tout sous façon d'adresser ces lettres-là, correspondance à ce pour dire qu'il fait l'injonction pour voyer l'émission. Bye. Ou pas qu'à vous demander les 24 heures. Ou pas qu'à écrire une première correspondance et vous faire l'injonction. Si ou écrit une correspondance, moi refusé. Comme ou grand droit ou grand pouvoir que fonction, que institution a gagné ou qu'a fait. Et c'est pour ça que j'étais en désaccord avec, m'avait dit, on partit, on correspondait ça, le directeur, que je ne connais d'ailleurs, moi j'ai mis au téléphone, je me suis dit, je n'ai pas compris. Heureusement, ça fait, je me comprends, il dit, c'est un format. Il existait comme ça. C'est-à-dire, l'exister, ça n'est pas un nom changé. Donc, je lui ai demandé de repenser ce format et de reformuler les lettres, okay, les correspondances, parce qu'on ne peut pas s'adresser à une personne, un directeur de médias, de cette manière. Mais tout est dans l'art et la manière. La forme est également importante dans toute société civilisée. Mais, je me félicite parce que le répondement est légitime. Lui, c'est un monde qui n'a jamais raté émission ça, qui c'est Haïti Débat. Et bien, continuez tant d'émissions parce que la vérité sortira. En fait, troisième chose, je continue. Oh, mon pays malin, te marche dans la liste politique. Je suis en train d'enquêter sur le dossier de l'ONA. Pas sur prêt et vice. Et ben, ça n'a pas intéressé parce que ben, ça n'a pas parlé. Nous sommes journalistes. Mais déjà, rivé parler avec deux personnalités clés. Et il y a un autre qui menace. Qui dit, attendez. Sous cité nom, une radio, ma radio devant la justice. Je me dis, vas-y. C'est un monde qui te vine à bouger. Les bambous, un luxe de détails. Sous ça, c'est extraordinaire. En tout ça, l'expliquer moi, on va l'expliquer là, parce qu'on va faire une mission spéciale sur ça. Les dîmes, le dossier a fini, les font test. Le dossier a fini, monter, ils font test. Ils barrettent, on a une institution, et puis ils ont fait 4. 4 ça, tu es supposé habiliter pour gagner 20%. Moi, je dis, non, allez, allez, comme ça. Quand elle n'était pas être là, on a dit, non, allez, allez, comme ça. Mais comme elle était en bail, tout va marcher. Ça, c'est le premier mot. Deuxième mot, non. Il dit, moi, bah là, tu existé, mais donc, on mal donne la donne. Puisque employé ou naïo, pas tout courant, pas informé. Et me parle au troisième monde,
que même si vous mourrez, vous m'avez visité nous. Il dit, moi, c'est malheureux que c'est comme ça qu'on présente le dossier, hein, parce que nous-mêmes, hein, nous-mêmes, nous pas fait faute dans la santé par eux. Quatrième bail, vous me dites, les proches de l'ex-sénateur à torture, vous l'accompagnez pour aller à l'ULCC avec. Parce que vous pensez vous-même, c'est un dossier éminemment politique. Vous allez l'accompagner. Parce que vous pensez pouvoir besoin arrêter. Vous allez l'accompagner. Moi, tout le monde peut barrer là. Vous pensez que vous avez besoin d'arrêter. Vous avez besoin de mettre dans une situation difficile. Pour qu'elle ne soit pas même qu'un candidat. Mais pourquoi avoir peur de le dire? Pour qu'il n'y ait pas de candidat. Parce que c'est le gros dossier concernant l'ULCC. Et qu'on présente un rapport contre lui. Il va même qu'un candidat au Sénat. Voir candidat à la présidence. Donc, c'est ça que négocient les persécutions politiques. Moutonne-moi. Dit, c'est vrai persécution politique. On nous parle, parce que on dit est vrai, c'est persécution politique. Là, pour tout le monde, persécution politique, là, c'est-à-dire, il n'y a pas d'accueil, oui, tout ça, c'est de manière illégale, c'est propre, monsieur, pour mettre monsieur en prison. Bon, et qu'à jour, final, là, comment y a-t-elle ça? Puisque Jovenel, lui-même, il porte quoi au pouvoir, il était comme ça, activé question. Mais ça, Nego dit, c'est pour Jovenel, pas arriver sous pouvoir. Là, monsieur arrivé sous pouvoir, il a agité question pour dire, monsieur, pour qu'il capable qu'un bel au pouvoir. Bon, et qu'à madame Jovenel, là, comment y a-t-elle ça lui-même? Les attaquer, madame Jovenel, sous Dermalogue, etc. Qui n'ont été baillé ça? Et l'autre rencontré le président, sortez au fil. L'autre rencontré le président, sortez au fil. Il y a une anecdote à jouer là. Ou pas, je ne sais pas, monsieur, il y avait une rencontre. Entre les personnalités impliquées dans cette affaire de Dermalogue et Basmati. Tu as compris qu'il est fait? Et qu'est-ce qu'on avait offert le jour-là? Il n'y avait-il pas un petit blanc à la même table? Pas de gros blanc sous table-là? Quel a été le deal? Pas Vindem, parce que m'a dit de Gaulle lui quand même. Pas Vindem, parce que m'a dit Macron quand même. Pas Vindem, parce que m'a dit Valli. Pas Vindem, m'a dit Gabani. Qu'est-ce que vous avez dit à Jovenel Moïse? Et qu'est-ce que le petit blanc avait offert? Mais base! Problème de guerre. Vous parlez de persécution, moi je parle de revanche. Nous avons fait plus. De toute façon, vous comptez font quoi dans le dossier Dermalogue ou bien Basmati. Et bien, comment ça va aller? Eh bien, on se raconte qu'il y a plusieurs côtés qui font quoi. Donc, c'est un jeu. Entre les hommes de pouvoir, c'est un jeu entre voleurs. Et puis, il y a qui vient poser une question, non? Puis, il va poser une question. Donc, là, au fond, on a l'argent, il va prendre. Et si par hasard, il vient faire plus, ça va supposer intéresser moi-même. Mais,
le bal a mal passé, puis Ganeg a été voté. Donc, je reviendrai sur ce dossier avec beaucoup plus d'informations. Dernier, ben, peut-être qu'on ne peut pas l'aborder là. On a dit nous avons 20 mois pour arriver. La pire est contre le monde. Mise en place qu'a fait tous ces événements pour arriver. Nous connaissons assez intelligents. Vous nous traitez des déclarations ambassade américaine. Nous traitez des jours, vous venez parler. Et juste, faites parler là. Nous ne pouvons pas écouter, nous pour aller directement. Moi, dis-nous, nous tremblement de tête pour arriver en Haïti. Et qu'on bagage qui peut arriver, et moi, nous pour aller parler. C'est pas moi qui a parlé. Mais la fonction pour vous prendre pour vous parler. Et les sénateurs, qui est-ce qui met yo? Moi, je n'ai pas fait déclaration à eux, à Dia, parce qu'ils sont des politiciens, ils sont candidats. Ben, mais nous autres, nous ne sommes pas candidats. Il faut me rassurer, mon Dieu. Nous ne sommes pas candidats. Parce que ça, moi, là, comme rayon, comme toile sale, comme fatra, on est qui sérieux. On va rentrer là, sous pas qu'à faire ça. Tiens avec casse vous de faire. Donc, nous sommes la vivre dans notre ère, dans notre monde. Tout n'est pas capable de ranger quoi là. Vous avez le pouvoir, il n'y a pas de résultat plus passé l'autre monde. Il a volé moins. Il a fait un petit combat là-dedans. Mais depuis c'est où pour qu'on tout besoin de changer le pays ça. Sans pas faire. On va entendre une dynamique révolutionnaire ou pas changer le pays. Et c'est pour ça que je prône. C'est-à-dire une dynamique jeune. Qui pas de compte pour rendre à personne et que pour qu'on mette grappé sous l'eau. Mais quand je parle de révolution, de changement en profondeur, Mbadi a tué monde qui est comme Mbadi a tué monde qui m'a mis l'argent, Mbadi a tué un politicien. Ceux qui ont de l'argent, qui t'ont expliqué nous, pour nous comprendre ça, je vous dis. Parce que je me dis, il faut me parler avec nous. Mais pour nègre en Haïti, là, qui est comme. Ah, c'est 1 million, 2 millions, 4 millions, 10 millions, 100 millions de dollars, etc. Depuis qu'on changement, puisque je me parle avec nous, depuis qu'on changement qu'on a fait, depuis le pouvoir, tout n'est pas branché quoi. Tout n'est pas branché quoi. Mais si pouvoir pas baïton, il y a pas forme pouvoir. Il y a tout continuer à faire comme même gens. Il y a jamais investi dans l'école. Il y a jamais faire route. Il y a jamais aider nous en rien, créer travail du tout. Mais depuis pouvoir prend forme, changement, tout le monde a payé, tout le monde qui a avancé. En République Dominicaine, c'était même gens. Mais vous avez peut-être entendu, ils sont en train de vanter la République Dominicaine. Parce que la République Dominicaine crée espace pour venir travailler. Mais vous payez tout. Et les contrats sont respectés également. Bonsoir Val. Bonsoir Gary, bonsoir Campagne. Nous saluons le président Jean, nous saluons tout le pays. Hein. Donc nous là, et après-midi, en début de semaine, et pour nous porter une émission de Mario, donc dans une situation qui est vraiment inquiétante, mais vraiment inquiétante. Et puisque nous vivons dans un côté que l'État, à partir à travers l'autorité, bon, le monde certainement, pour carrer les autorités, puisque c'est comme ça, ils ont imposé nous pour nous réunir, pour retirer tout essence l'État. Et l'État sont l'État des réseaux sociaux, l'État sont l'État du scandale. En l'état qui sur la place publique, en l'état côté que qui t'a lui certainement marqué par harmonisation et ouais que ces conflits ouverts entre les autorités et ce qui fait que le principe de l'unicité de l'État n'a pas existé en réalité. L'État qui t'a lui en entité harmonieuse ou pas, ouais, et vraiment exister. Donc, ça, certainement, il marquait des moments noirs et dans le pays, parce que pratiquement, ce qui s'est passé au palais national, et pour moi-même, il y a des monde qui parlait de sincérité, et il y a des monde
qui parlait de incompétence. Et il y a des gens qui disent tout, bon, question secret d'État, ça va exister. Donc, bon, ensemble d'interprétation, je pense que Gary nous là, après-midi, hein, comme on t'a annoncé au début, et nous allons l'analyser avec ta cap d'ici pratique contradictoire qui gagne une émission ça, et ensemble de points de vue différents. Que généralement nous venons sous Tabza et nous capables de permettre pour nous comprendre ça pour nous comprendre et certainement arriver à satisfaire l'auditoire là puisque certainement ça a toujours fait ici là hein, moi connais sûrement certainement avec des positions contradictoires campagne moi je dis ça va se dire. Donc Mbakwe ou bral, dis mon bar là. Faut que nous entrions dans le bar pour me dire ça pour commencer. Exactement. Pas un problème, Gary. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Qui t'aime commencer comme ça? Je regarde ma pli à travers des informations sur Internet et des publications qui faites concernant Sarkozy, l'ancien président français, côté que. Les recours sont épuisés et jusqu'à la Cour de cassation. Et donc, il dit le gain pour aller répondre aux questions de la justice. Et on pose peut-être une question, en Haïti, est-ce possible, est-ce que public haïtien, nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous avons un recul pour nous comprendre que, ou capable ancien président, et si vous impliquez nos questions, dossiers de corruption ou trafic d'influence, c'est normal pour aller répondre à une question de la justice. Nous-mêmes en Haïti, nous vivons, on va aller à la Joudian, côté que, un mélange qui fait entre trafic d'influence, hypocrisie et le droit. Technique, la technique a fait, ou bien, par exemple, l'opinion publique capable de dire, de n'est qui autorité, soit président, sénateur, député ou bien et autres, ils ont participé dans de dossiers louches. Ils ont même dit aux évolés. D'ailleurs, en pile monde, jeunes femmes et jeunes garçons, qui travaillent dans l'administration publique, ils ont souvent dit n'est-ce qu'ils ont volé. Monde qui est élu, ils ont dit qu'ils ont volé. Alors que, joue la justice décider pour le poser, ils ont demandé ça aux questions. Moi, tout le monde dit que c'est persécution politique. Pour me venir dans le dossier Premier ministre, le Premier ministre a parlé. Comme d'habitude, monsieur, le parler ou bien l'impression de son terrain, il fait goal. Ou bien il fait goal ou bien il a un mauvais dribble. Rappelez-nous, auditeurs, auditrices de Scoop FM, surtout Haïti, débat, mon cap suivre de près l'émission que j'ai fait. M'a songé, nous avons fait une analyse dans la campagne. Le Premier ministre Joseph Jout te font sortie dans le plateau central, département côté que me sorti. Côté sorti tout. Côté sorti tout. Bon, il y a des gens qui étaient contents, il y a des gens qui étaient fâchés. Mais moi-même, après déclaration, ça me prend recul pour me garder l'homme. C'est-à-dire, à travers ces déclarations, pour me dire, qui ça cap sorti dans la bouche de M. Sahar, que un monde a de suivre de près, est-ce que je suis capable d'aller dans la ligne pour moi, est-ce que c'est un homme avec question sans filtre, Jean-Mounio Dil, qui gonfre en parler, est-ce que c'est de l'hypocrisie, monsieur a encouragé, ou bien est-ce que monsieur gon souci de vérité que l'obligé de bagarre aux gens, oui. À entendre sa déclaration, la déclaration d'hier, qui, en fait, soulevait des débats, m'a demandé, ça me tendait en moi-même, côté que Premier ministre Joseph Jout a exprimer face à directeur général là et lui exprimer insatisfaction par rapport avec gestion directeur général là dormi la roue. Elle dit lui pour exemple l'heure le directeur général là directeur dit il y a tel côté qu'on patrouille le passé lui-même lui pas elle a rappelé que la grande majorité des haïtiens haïtiennes t'es envie cloué au pilori ou bien
passé directeur général là à l'infinitif, le te gagné groupe G9 qui t'a fait parade dans la rue Port-au-Prince. Il dit institution ça effondrée, li pas existé parce que mes groupes gang yo a fédéré, yo gen fédération. Et yo prend la rue pour exhiber en plein jour zam que yo gagné. Et hier, moi gagnon nan moun yo les chefs de gang nan zone Savien qui fait réunion, c'est-à-dire l'a fait relation publique, l'a dit mes sale ta vle. Kounye an, moun yo te dit non, Mil Rameau, pas de leadership. En pile, moun dit ça à travers les médias. Soit des analystes politiques, soit de politiciens, soit de simples citoyens qui n'ont même pas qu'à vivre situation et sécurité à Cap-Valéterre. Bon, Premier ministre s'en venu camper, lui dit, lui insatisfait de l'action du directeur général. Là. Et moi, le gars des présidents, je sens le président ton petit Jean-Genin. Même si le président va laisser faire équilibre, côté que les pral lui-même pour l'autre ligne pour montrer que il n'y a pas trop de problème avec le directeur général là. Bon, un peu le monde dit, Premier ministre, craser l'institution. Combien moi j'ai deux bagages, je comprends. Est-ce que c'est hypocrisie tellement ancrée dans nous qui fait que le monde dit ça qui a passé, c'est vrai qu'il est le chef du CSPN. Ça veut dire, ça pas dit, par le fait que lui montrer non Mil Rameau pas fait travail ou bien gros problème de leadership, ça pas dédouaner lui-même de responsabilité que le gagné dans question de présenter un plan stratégie en matière de sécurité dans question CSPN. Mais est-ce que c'est pour la première fois lui discuter avec le directeur général là pour le dire, lui pas comprendre ça qu'a fait, un gros problème de leadership. Est-ce que dans plusieurs réunion qui fait CSPN, etc. Est-ce qu'elle parlait avec elle déjà? Ça, moi, pas qu'on elle. Mais seul ça me connaît et me tendait, me garder. Moi, Premier ministre, accepté, dit, li pas satisfait. Kouni, hein? Moi-même, ça me t'a rien, connaît. C'est vrai que, nous t'a capable de dire avec plus d'élégance ou une façon pour le dire. Mais Kouni, on ne vient pas qu'à dire encore parce que moi, que ça m'a dit dans la question d'élégance et en pilote, nous a dit, à travers ces déclarations, mon Jean, moi PM n'a allé direct. C'est soit le blessé, mon nom le cassé. Par exemple, c'est ou bien le cassé, mon nom le prend boule dans la pièce, c'est souterrain que lié, ou bien mon nom le blé. Kounia m'a dit tellement que, puisque société a constaté un problème de sécurité qui a validé, Mil Rameau comme directeur AI, et c'est président qui nomme, Joseph Jout, c'est président qui nomme. Contrairement à d'autres personnes qui pensaient que c'est Joseph Jout qui t'a dû bailler démission, m'a demandé dans la position que m'y a comme analyste politique, est-ce que c'est moi-même qui vous demandais Premier ministre bailler démission, ou bien monde qui t'est nommé là, s'il n'est pas satisfait, qui doit prendre une décision? Et puis tout. Depuis plusieurs mois, m'a suivi mon bagaille. M'a suivi avec ministre qui bailler démission, Max Satis. Qui font déclaration que société a répété et moi qui viens poser un problème. Donc je dis, hein, et sécurité qui a validé, hein, Premier ministre joue de fond sorti et lui dit, gros problème de leadership, que moi en pile monde t'a dit, parce que qui sa peuple en besoin, c'est sécurité. Mais directeur général de la police, il a une responsabilité, accompagné de haut grade ou bien haut fonctionnaire, il a une responsabilité que vous avez. Maintenant, s'il faille à mission, est-ce que c'est pas rôle Premier ministre pour le dire ou faille à mission? Parce que président de la République t'a dit, nous rencontre, il était accompagné de ministre Nader Joasséus, travaux publics, moun qui pas travaillé ou révoqué. Maintenant, qu'on y a, si Premier ministre a constaté que directeur général a un problème de leadership, li dit, est-ce que c'est Premier ministre qui gagne droit pour révoquer? Pendant que président est là, c'est président qui nomme le. Kounye, hein? Si Premier ministre n'est pas satisfait, même Jean-Pierre Haïtien n'est pas satisfait jusqu'à présent, Kounye, hein? C'est président de la République là, qui connaît qui décision pour le prendre, ou bien le directeur général lui-même qui a senti, est-ce que dans l'effort que le fait, Premier ministre a sans doute passé l'effort lui en bas pied, qui donc est-ce qu'elle doit prendre décision, même si Premier ministre doit connaître tout,
directeur général a besoin d'un paquet de jeunes femmes et jeunes garçons qui ont des âmes. Non, mais ça veut dire qu'il doit être prêt à assumer les conséquences de sa déclaration. Et je dis, je pense que moi-même, moi pense, en tant que campagne, déclaration Premier ministre Jout fait mal dans la société par rapport à Jean le deal. Même envie pour un recul pour me dire, est-ce que en dans l'État, pas de guerre de jeunes femmes et jeunes garçons qui prennent courage de bras pour dire vérité, yo, pour dire vérité que nous avons dit tout bas dans la rue. Hein? Même si c'est l'autorité deal, politique parfois fait mon yo, fait aggraver les choses qui le fait plus mal. Mais quand même, faut gain de parole qui parle pour dire le on moun gon responsabilité pas faire pour dire ou pas faire travail. Parce que je ne crois pas que c'est président Jovenel Moïse seulement pour moun a dit démissionner tous les jours. C'est vrai que nous dévotons selon le principe démocratique. Moi, je dis pas vraiment des PM jou démissionner parce que si je veux respecter les règles, ce n'est pas moi qui t'ai voté, ce n'est pas moi qui t'ai voté. Bon monde qui choisit. Je demande président Jovenel Moïse démissionner. Peuple a demandé ça parce que tu as voté. Mais monde qui t'est sorti arrêté, hein, qui nomme président, qui nomme premier ministre, hein, et pas oublier que tu as un consensus qui t'a fait. Président fait choix. Personne ne va attendre ce PM Jout qui t'a venu. Mais président choisit. Hein. Si le président de la République n'est pas satisfait de son premier ministre, à lui de décider. Et si premier ministre, comme responsable du chef CSPN, pas satisfait de travail directeur général, un bel deal. Combien, si ça pose des problèmes, c'est ou bien le directeur général continue de travailler pour le bail puis bon service, ou bien président, si lui-même n'est pas satisfait, bon veut de déclaration pour le ministre, ou bien de gens, l'autre monde pas satisfait, eh bien, que le changer directeur général, lui mettons l'autre monde, lui pense qu'il y a un résultat. Et puis voilà, donc moi-même, c'est position ça que je gagne. Et j'en ai dit au commencement, est-ce que le premier ministre joue non, ligne la suivre pour faire vérité. Dit de bagaille que nèg dit son prétexte secret d'État. Parce que m'a demandé, mais est-ce que non, ça me comprend de secret d'État? Est-ce que si il y a une autorité pas de travail, est-ce que ça fait partie de secret d'État? Et si entre eux, ils ont habitué à discuter, pas de aucun changement, est-ce qu'à un moment donné, il y a des paroles qui va obliger de dire pour le peuple comprendre que. Moun qui a responsabilité au Jean Valcondil, la responsabilité partagée. Parce que chef CSPN n'a pas le plan stratégique, là, mais moun qui a pas l'ordre. Et si le directeur général n'a pas l'ordre, aucun policier n'a pas respecté, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership? Et maintenant, si PM n'a dit bon problème de leadership, en quoi ça dérange si vraiment ce problème existe à Garigue Pochal? Un mot bravo là. Bon, voilà. Concernant la déclaration de Pierre Nagari, pour lui, il va dire au monde bon, évidence, c'est là. L'évidence, c'est que depuis un bon bout de temps, et nous fait face dans le pays à une situation d'insécurité. Et moi-même, compréhension des choses, permettre-moi que. C'est certainement en situation d'insécurité grandissante qui est liée à des problèmes structurels. C'est ma compréhension des choses. Donc, c'est-à-dire, là, on va assister à un pays côté que c'est l'improvisation. L'improvisation, pas jamais bon plan de politique sécuritaire qui est adopté dans le pays qui peut permettre que, il dit, à faire 1, 2, 3, 4. Maintenant, il varie, il prend des propres proportions en fonction à chaque moment. Parce que à chaque fois qu'on gagne un pays qui n'a pas une capacité pour contrôler les douanes, finalement, eh bien, le monde qui n'a pas un pays qui a importé des armes, hein, finalement, vous importez yo, et vous faites ça et vous voulez avec en fonction de l'objectif. Donc, et sous l'administration Jouvenel, là, en particulier avec le DG Nomil Rameau, situation d'insécurité, ils sont évidents. Il est clair que tout le monde est. C'est ma première considération des choses. Mm-hmm. Mais la deuxième considération, par rapport à la déclaration de
de joute. Et le PM, notre PM, ça va étonner moi-même. Ça va étonner Gary parce que justement, ça fait quelque temps là, ou bien, on l'État qui désacralisé. Ou bien l'État, son l'État réseaux sociaux. Côté que, ça t'a doué. Nous t'as comme dit disputer dans des chambres fermées, c'est eux-mêmes. Donc, maintenant, c'est dans la rue alliée. Et son état, puisque c'est l'improvisation, c'est. Nous t'as comme dit deux mondes qui sont de nulle part, qui va gagner le sens de l'État, le sens de la gestion de la chose publique. Pratiquement, ouais, c'est eux-mêmes. Pratiquement, ça n'a pas étonné. C'est ma deuxième considération. Mm-hmm. Parce que moi-même, peut-être c'est une déformation académique. Moi, déformation académique, puisque yo montré dans tout le livre, dans la recherche que je fais tout, pendant l'étude m'a fait en sciences politiques, en droit, yo montré que l'État, son entité unique. Et comme la puissance organisée, des obligations pour le montrer que à travers les rapports fonctionnels qui sont entre les différentes entités dans l'État qui composent l'État, ou obligé de montrer une certaine harmonisation. Ça veut dire l'État est caractérisé par son harmonie. L'État est caractérisé par son principe unique. L'État est symbolisé en bagaille. C'est le symbole de l'autorité, le symbole de la peur. C'est-à-dire, non l'État côté que bah, il va fonctionner normalement, lorsque un chef vient là, c'est pas chef là qui besoin de faire ouais, le chef. Ça veut dire la population connaît que chef là, il est là, bon, gens vous le comportez. Mais le regard des déclarations, yo, conflit ouvert. C'est pas moi qui invente. Parce qu'il est clair que au palais national, hier, PM nan et DGA montrent qu'un conflit ouvert. Et pour moi-même, c'est contraire au principe d'harmonisation, contraire au principe de sacralité de l'État, parce que c'est vrai que c'est peut-être mon différent avec campagne. L'État, effectivement, n'est pas son fonctionnement lié à ce secret d'État. Il y a des choses qui ont rapport avec l'administration publique. Il n'y a pas qu'à traiter sur la place publique. Parce que moi, je crois que on ne peut pas parler de citoyen Jules Joseph. On croit que on PM, comme responsable d'État, on ne peut pas parler de question de sécurité nationale. On croit que au nom du secret d'État, on a un droit de réserve. On a deux bagages, on pense qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire citoyen, non? Le premier ministre, celui qui a l'obligation de conduire la politique de la nation, conformément à l'article 156 de la Constitution. Parce qu'il n'est pas oublié. PM, non, tout comme celui qui fait partie de l'exécutif, il a obligation pour formuler une politique sécuritaire et la donne. Moi, j'ai l'impression si job l'a été fait, exécutif l'a été fait, job li. C'est pas sous place publique. Déjà d'avoir dit comme ça que il gagnait de matériel qu'il besoin. Ça veut dire, gouvernement t'a connaît que, en fonction de telle situation de sécurité que nous gagnons, mais qui ça, la police a besoin pour faire face à ça qu'il y a. Ça veut dire, c'est déjà planifié. C'est déjà planifié comme politique sécuritaire. Ça veut dire, PM et directeur général, t'as déjà joué moi là. Donc ça veut dire, m'a demandé, mon sujet interrogatif dans ce sens, m'a demandé si c'est pas quelque part, on paye, qui n'ont payé côté que l'État faible, d'une manière générale, gouvernement, l'État, dans le fonctionnement, pas de moyens, m'a demandé si c'est pas lui-même qui a bédoué, parce que lui-même, il fait partie de monde qui a planifié des stratégies de sécurité au niveau du CSPN. C'est le chef du CSPN. Donc maintenant, je me demande si ce n'est pas dédouaner, à dédouaner de responsabilité. Comme Haïti, son pays pratiquement, chaque négociateur fuit responsabilité, eh bien,
pour montrer que c'est lui qui travaille, voilà, la sincérité, bon, les images là, j'ai lié. Mais c'est un responsable d'État. On croit que la notion du secret d'État bien existait. Au monde, lorsque responsable d'État, il y a des questions, il y a des vérités ou pas quoi au cabaret, non? Ça, c'est ça, m'kwe. Donc, moi-même, moi, ça m'a dit, vérité, ça y est, il est trop big, c'est là. Parce que quelque part, il y a des choses qui fragilisent tout l'État. Ou fragilisent dans la mesure où, lorsque, au niveau de la police, déclaration différente ou conflit obligé, déjà dit qu'on s'est mis ça le besoin. Ça veut dire bandit au clair, qu'on est clairement que, bon écoutez, mais tel matériel que la police n'a pas gagné. Donc s'il n'a pas gagné tel matériel, qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça veut dire, on pense que des conflits, ça d'une manière générale, d'ailleurs toujours répété. Et toujours répété. Ça veut dire avec PM Jout ou songer PM Jout, d'où comme ça, il a dit pour y aller prendre. PM Jout, il était pas là avec Iso. Mais, pour moi-même, ma compréhension des choses, l'aspect dangereux de gagner dans ça, je dis ça ici à nos émissions. Le phénomène de gangstérisation pays, rapport qui toujours gagne entre les civils armés et les autorités de l'État, les fragilités, les fragiliser l'État. L'argent, on toujours dit, à distribuer, bah, messieurs, il fait que, donc, gangs viennent, ou encore, les viennent, t'as qu'à dire, encourager dans le pays. Parce que, normalement, l'heure où, par exemple, on civil armé, il y a accès à premier ministre, il y a accès à président, il y a accès au sénateur. Ça permet que les ouels ont certaines vertus dans la société. Il y a des relations sociales privilégiées. Ça, c'est un. Mais c'est aussi une activité de mobilité sociale. Si jusqu'à présent, il y a un volume d'argent que monsieur a bien amené. Et je dis, il y a des rumeurs. Je ne peux pas dire des rumeurs parce que je ne peux pas dire ça. Gagné de nègres dans civil armé très influent qui mettait directeur général. Donc ça veut dire qu'il y a des volumes nèg comme nèg l'a gagné. Lui permet que lui ait femme, lui ait belle caille, ça peut être de nèg des docteurs qui font pile fort, on voit dans pays à l'école pas qu'à gagner. Donc ça veut dire c'est une activité de mobilisation, de mobilité sociale. Il peut mettre là dans telle classe même si certainement nèg connaît ça tout. Activité que y a fait, y a pas duré. Mais moi je pense que si de spectacle ça yo, moi je pense que l'autorité de nomination dont directeur général c'est le président est le PM. Si vous avez un problème avec activité que nèg l'a fait, ou révoquer, moi pense que autorité. Et l'a pas révoquer, ou vient semble un PM tout qui sent pouvoir qui sent qui pas de compétences pour influencer décision pour évoquer les gars. Mais c'est pas comme si parce que en disant ça PM non dynamique pour humilier DGA parce qu'il y a monde qui veut comme ça. Mais c'est quelque part fragilité l'état dans l'essence li parce que l'état symbolise ça symbolise hein? L'état li ou même qui la donne ou t'as dû contribuer pour le représenter ça le représenter hein? Parce que dans tous les pays du monde par exemple PM n'a pas de déclaration dans l'Ouest pour dire comme ça. Il y a une autorité dans l'international qui dit que c'est eux-mêmes qui sont responsables et accompagnement dans la police pour acheter équipement. Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, l'international à Capgado, il dit que ben, oui, au niveau national, peut-être qu'il ne peut pas comprendre. Ça me dit oui, c'est un PM, c'est faire, courageux, véridique. Vérité, ça, voilà, c'est pas là où il y a courage là. Où il y a courage là, c'est là pour formuler un plan de sécurité pour dire voici les grandes directives. Mais l'heure où on fait des déclarations qui fragilisent l'État, où on dit bon, l'État n'a pas existé ni sous papier,
pas existe ni sous papier. L'autre dit, il y a des gens qui prennent gang ou même PM. Mais écoutez, ça, l'autre bon cap gado là, il connaît clairement que ce n'est pas activité aux responsables d'État. C'est ça que fait même ces derniers temps, on a analysé ça qu'a fait dans l'État. Ou pas quand même dit, est-ce qu'on a arrêté les responsables d'État? Parce que homme d'État pas parler, ce n'est pas homme d'État. Homme d'État pas fonctionner comme ça. Est-ce qu'on a dit c'est des politiciens qui viennent dans l'État, etc. Bon, mon petit Jean cherche là un concept qui est lié à ce type de monde, ça au fonctionnement. Mais il est clair que c'est les compétences caractérisées, c'est donc, c'est pas la planification, c'est l'improvisation, c'est voilà de nègres qui arrivent au côté, qui pas connaît sur arrivé là. Et là, arrivé là, vous faites des gars. Parce que l'herbe, l'État pas bon. L'État, là, bon à passer de monde qui va le diriger. Haïti débat, et ce qu'il est, c'est en fonction de conception galée. Il est clair que c'est une évidence. Il dit, bon, moi, même, moi, t'es là pour comme, faut me faire appel à des jeunes qui vont venir faire débat de manière contradictoire. Il dit, par exemple, Haïti débat, c'est, et son évidence, Haïti débat, c'est le symbole de la contradiction par excellence. L'espace de l'apprentissage démocratique par excellence. Mais effectivement, chaque nec vient là où est campagne pour le PM est sincère, courageux. Moi, quoi, non. Le PM est plutôt dans l'espace que le pas comprendre. Problème de vision, de compréhension pour moi-même et de compétence. C'est ce que je crois, moi-même, dans la déclaration PM. Non. Sinon, il t'a pris le débat là en dents. Il n'y a pas de parler comme ça. Ok. Garry. D'accord. Merci. Et. J'ai suivi avec attention les deux points de vue en attendant l'arrivée de mon collègue Marco. Si le refait, parce que c'est un petit problème là, nous t'as souhaité Marco venir, c'est extrêmement important. Moi, je crois que pas une contradiction. Il y a deux points de vue divers. Hein, ouais, il y a deux points de vue divers. Pareil. Il y a bah, même là, un troisième point de vue. Parce que une pensée. Nous tous les corrects analyses nous faire. Et c'est ça nous dire qui permet de nous caper PM. Mais moi-même, je vais prendre sur l'autre angle. Parce que les gars, c'est ça qui a comme des avantages. Les deux n'est pas qu'on nous parle en vain. Troisième, les gars, les gars, nous avons un peu. Mais tu vas voir, gars. Non, ma première. Ça me comprend. Il y a deux nègres qui sont dans la même situation. Joseph Jout et Noël Ramon. Tous deux nommés par le président de la République. Et tous les deux ont la légitimité. Puisqu'en fait, tous deux étaient supposés passer devant le Parlement. Premier ministre devant le Sénat et la Chambre des députés. Et Rameau devant le Sénat de la République. Tous les deux illégitimes. Dans cette illégitimité, il y a une lutte pour garder le pouvoir. Maintenant, le PM, comme président du CSPN, il a déclaré. Moi, ouais, 200 nègres derrière, à tant de place là pour venir premier ministre, pour remplacer. Donc, il dit à Rameau, écoutez, Rameau, si c'est sous question et sécurité que nègres derrière pour venir pour un peu qu'à bousculer, ma boue va aller vite. Et c'est ça que fait monsieur dit, nomination, révocation et démission. Première dimension. Deuxième dimension de la déclaration du PM. Le PM nous dit nomination, démission ou révocation. Il attend sur l'heure la démission du Rameau. Parce qu'il n'y a pas l'autre alternative. Démission ou révocation. Mais si le PM pouvait révoquer Rameau, il doit faire. Le frère. Ouais. Parce qu'il ne peut pas. Je te le dis. C'est le président. On ne peut pas vous dire. On ne peut vous dire. On ne peut là pour faire des considérations. Exact. Parce que le PM n'a pas qu'à révoquer pour le ministre. Alors, il n'a pas qu'à révoquer le directeur général. Exactement. Mais en même temps,
le directeur général, comme le m'a écrit ça, Walter était là, monsieur sous siège injectable. Parce que le président a sorti un décret demain et je retire. Pendant monsieur, là, ça a renvoyé ma Gédéon. Le président ne pouvait pas renvoyer Gédéon parce que Gédéon était mon légitimité. Parce que s'il était. Si c'était Gédéon qui n'a place là, Moujoudia, il t'a voulu aller longtemps. Le plus vite que possible. Donc, Rameau, nos situations, côté le blanc, contrôle, vous mettez comme dit le général de la police, un homme que vous avez vanté de compétences et de sens de responsabilité, efficacité dans le DCPJ, M. Rivet, en tête de police nationale, là, son autre bagaille. Il se voit obligé de faire de la politique. Autour de Rameau, tout n'est en vie directeur général. Et tout n'est qu'à faire pour y avoir directeur général parce qu'il est très facile. Il va prendre 3 ans encore. Parce que n'importe qui est ouais, Rameau fait président, mettons-nous. Donc, Rameau en difficulté. Qu'on y a un bras, expliquez-nous. Ça gagne. Parce que pour comprendre, pour le ministre, ou ma panache, il faut qu'on ait ça gagne. Il y a 80 véhicules, la police a gagné, campagne. Je vais me garantir. Il y a une campagne pour 2500 dollars américains. Le quoi de bouquet? Il y a une grande machine qui a fonctionné. Pas de presse. En base, pas de presse. Il y a 2 machines qui vont pour BU. Unité spécialisée, pas de machine. Les blindés achetés. Blindés ont été pris pour frapper dans le village de Dieu. Chaos qui est au bas. Et si on courut à 20 000 à l'heure, yon chimie, il y a déboîté. Les bandits sont armés d'armes automatiques de 7,62. Un langage plus ou moins puriste. Mm-hmm. 7,62, ça veut dire qu'il a tiré à une longue portée. Très loin. Et la police nationale, c'est à 5,56. Donc ça veut dire que les bandits ont tiré la police. La police, pas qu'à venir, ça veut dire que les amis ont plus portée que par la police. Est-ce que là? On a vu défiler les bandits avec des armes automatiques que la police n'a pas gagné. Comment demander à ces policiers d'aller à Village de Dieu, à Cité Soleil, ou à Grand-Tissant, pour aller voir, pour aller. À qui ça? Non. À qui ça, vous allez voir? Les reproches faites à DGA, vous imaginez, ce n'est pas une invention du Premier ministre. C'est quelque chose qui a été discuté. De mon point de vue. Pour une simple, pas d'accord. Dis, bah, là, comme ça. Parce qu'il me posait une question. Non, ce n'est pas qui discuté. Il me pensait à plusieurs reprises. Oui. Parce que il n'y a pas qu'à un clagé. Discuté. Et on a dit, nous, qu'il n'y a pas qui. Qui passait dans la salle-là. Il m'a dit, pour le premier ministre, quand il dit, il est dans la rue, il est relé directeur général, modèle, qui positionnait mon café, machine de sécurité, qui plaçait en post-fiction. Et puis, Rameau dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour le ministre, dit là, il va envoyer. Problème de leadership. Oui, il va envoyer. Attends, il dit, il va envoyer. Donc, ça, on a espéré de la police nationale là. Que chaque gang un policier la donne. Qui sont qu'à espérer? Il y a une voice qui circule sur le réseau.
Mais de monde, moi, ce voilà, je vais vous mettre sur le réseau. Je vais vous mettre sur le réseau. Je vais vous mettre sur le monsieur. Je vais vous mettre. Donc, je vais vous mettre. Moun dans cette ligue, il y a un commissaire de police qui, dans la conversation, dit Nègue, si vous êtes à Tibonite, Nègue Xavier, m'a vini pour me porter, bah, là, pour vous. Bah, yo pour vous, parce que m'a porté le pour vous. Le numéro de téléphone identifié comme étant le numéro de téléphone de commissaire de police en fonction. De quoi on parle? Ça, c'est la troisième chose. Quatrième bagaille. On dit. Bon, les mecs sont proches du pouvoir. Bon, quelle opération pour le faire là? On dit. Donc, Rameau est aujourd'hui en service et au service du PHCK. Il n'est pas un directeur général libre parce qu'il n'a pas de légitimité. Il n'a pas la légitimité du Parlement. Bon, Rameau va peut-être tomber parce qu'il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on tout dit, parce qu'il a travaillé à la CPJ, tout le monde connaît Christian Lébain, blindé à quoi avec Rameau, donc il y a monsieur ça qui fait Rameau pas tomber, pour le moment. Ok? Donc, les mots ne peuvent pas changer notre situation sécuritaire. Les accusations non plus. Edval, tu as parlé de tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence sur la question d'homme d'État, d'obligation de réserve. Mais c'est sûr, je ne veux pas quitter Paul. Je dis à moi, c'est vous-même. Ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. C'est toi. Et maintenant, Rameau ne pouvait aucunement porter un démenti formel à ça, premier ministre Abdia. Peut-être par éducation, par peur, par calcul. Peut-être par sagesse. Par sagesse également. Parce qu'il avait utilisé sa dimension d'homme, de famille, l'éducation qu'il avait reçue. Ok? Donc, il n'y a pas qu'à dire rien. Et puis, monsieur Balé, monsieur dit, bon, il y a une opération Terminator 1. Il a parlé du Terminator 1. Ce sont des mots, des barrages, des stratégies qui vont au moins nous venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autre chose. La déclaration du Premier ministre montre manque de cohésion et de confiance qui existait au sein du gouvernement. Le gouvernement, ça n'a pas qu'à marcher. Jean, ça te passe à montrer au gouvernement, pas qu'à bas résultat, pas qu'à travail. Parce que c'est l'avilissement comme si son vote public, en plein jour, à preuve, le président l'a vu, d'ailleurs, il l'a constaté. Monsieur a dit, attention, et c'est population, 11 millions de mounis, c'est-à-dire, il a été surpris. Mais, comme dit nous, arrêtez, monsieur. Ce n'est pas pour défendre Jout, ni accuser Jout, ni Rameau. N'est-ce pas parlé? Qu'est-ce que ça ne va pas comprendre? Il n'y a pas de conversation et d'échange véritable basé sur la vérité entre les deux hommes. Il n'y a pas de passerelle entre eux. Parce que moi, je ne parle pas à Marco tout le temps. Voilà, à la campagne, presque chaque jour. Parce que nous avons une émission. Donc, même si nous ne pouvons pas aller avec Marco va la campagne, quand nous allons commencer l'émission, je me dis, monsieur Koumani, en forme, Marco, bah, aïe, ça qui passe, nous là, on a boulé, je me dis, et ça n'a pas fait aujourd'hui. Mais il n'y a pas ça entre ces deux hommes. Parce que si c'était que ça, eh bien, en plein visage que monsieur t'a pris souffler de ça. Parce que il t'a agencé pour réparer. À moins que monsieur parle trop. Ça, c'est un aspect. Mais autre aspect, on va continuer toujours, on ne faut pas parler.
Je ne vais pas vous dire. Non. Je sais, ma preuve, c'est nous. Donc, qui est-ce qui dit nous pas que le directeur général en vue? Pour quel résultat, maintenant? Qui est-ce qui dit nous pas que le directeur général en vue? Et pour quel résultat? Ou qui est-ce qui dit nous ce n'était pas un plan concocté entre le président et le premier ministre? L'un va à gauche, l'autre va à droite. Et puis le président ne pouvait pas, c'est-à-dire c'est directement à Normile Rameau, en complicité avec le premier ministre, et le fait au bail sous fait puisque c'est le président qui est prêt à aller révoquer quand même. Hein? C'est tout ça pour nous, parce que. Monsieur, Jout n'est pas fou. Quand même. Attention, hein? Jout est un homme excessivement équilibré. Qui dirige avec une certaine arrogance, mais il y a franchise. Franchise. Et l'État, monsieur mettait sous table là. Bon, m'excusez-nous. Et Valter évoquait tout à l'heure, ce n'est pas en contradiction avec moi, mais c'est notre point de vue. Oui, vous l'avez dit. Oui, attendez. Nous qui. Nous cohabitons à ça. Nous qui payons pour que le secret d'État là. Bon, un pays de voleurs, après c'est quoi d'état, non pas de l'autre. Quand ça, je t'ai dit là, pour le pas de dit, et puis tout le monde connaît, tout le monde a payé, il y a volé. C'est l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, qui devine là, qui joue tout juge honnête, ou 90% juge honnête. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, de qui paye dans le palais là pour ta une exception. Comme si la fontaine était plus bon que vous, parce qu'elle pétait même pas de palais. Jean Risséen, qui est un homme excessivement politique, éminemment politique, c'est ça que monsieur fait, et politicien. Bon, monsieur, si Jean Risséen fait mal ça, monsieur va tomber, non? Si tu mets tout le dehors, il va tomber. Bon, on me dit non. Attendez, qui met les joutes? Il va évoquer. Gary, c'est sur l'Inzam. Je vais me passer indirectement. Yeah. Monsieur, tout prouve que. Attends un petit moment. Qui met les joutes? Il va évoquer. Bon, juste, joute. Cherche une sortie honorable dans Malabou ça. Parce que si l'accusé, la direction générale de la police nationale, c'est que lui-même montre qu'il est responsable, comme tu parlais tout à l'heure d'incompétence, etc. et autres, bon, il faut nous dire où elle. Nous ne savons pas même utiliser. Mais tout n'est qu'il passait au même jour, oui. Ils ont été à l'école, ils ont eu des diplômes, et voilà tout. Toutes les gars là, à genoux, devant tout le monde là, à preuve. Ouais, tout est qui est passé déjà, on va courir dans le pays. Tout est qui est passé dans le pays, on va aller courir dans le pays. Donc, Macron est son bon et compétent, toujours dans la politique, qui va pouvoir. Mais, des nègres qui ont diplômé, qui ont papier, et puis fini. Parce que ces résultats pays, à côté de ce que les gars vont faire. Hein? L'aime commencer la radio à 500 personnes pour écouter. Moi, augmenter la mille. Le Mako vini 2000, l'autre vini 4000, l'autre vini 5000. Après ça, qu'on y a. Mais 1 million. Donc, nous avons un résultat qui montrait que nous travaillons. Mais, l'autre pouvoir que nous avons, tu as un courant là, pas un courant qu'on y a, tu as l'école que tu as faite, pas l'école, tu as un gang. Ils ont démantelé les gangs. Les gangs ont retourné. Dernier aspect, on va aller. Vous avez une police sans logistique. Aspect, c'est un aspect technique. Oui, technique. Donc, il n'y a pas de police. C'est la logistique qui constitue la force d'une armée ou d'un corps. Les États-Unis, ce n'est pas que si tu es un dans l'armée, c'est les armes que le gars. La police n'a pas des armes, donc il n'y a pas de police. Moyen de déplacement. Non, non, mais logistique, pas gagné. Parce que pas gagné. Bon, bon m'excusez-nous. Ils ont fait, ils ont acheté mon équipe matérielle pour faire opération. Mon matériel n'est pas bon. Moi, de qui ça va parler là? Et personne n'est responsable. C'est 2000 nègres armés qui sont dans la sécurité rapprochée. J'ai les chiffres moi-même. Hein? 2000 hommes armés. Ok? 2000 armés.
maintenant, 2000 policiers armés qui sont en sécurité rapprochée. Hein? Là, on est campé dans la rue, un policier campé dans la rue, que moi, puisque j'ai fait route nationale là, pendant le week-end là, parce que c'est un événement majeur qui t'a fait. Je suis à côté de Zakane, hein? Côté de Diakoute t'as vu. J'ai parlé d'événements majeurs. Événements majeurs. Samedi, octobre, je regarde moi-même sur événement majeur. Affaire Internet, nous regardons Affaire Internet, nous avons vu. Moi, j'ai vu. On va jouer, c'est tabou comme seulement quand je vais dire ça. Donc, j'ai vu des policiers. Tabou combo. De Gaulle, tabou combo seulement. Donc, j'ai vu des policiers. Regardez. Bottes chirées. Pantalon chirées. Il n'y a pas de... Comment il est passé? Gilet pas mal. Gilet pas mal. Bon, un petit peu. Ils ont... Pieds de garde dehors, oui. Pieds à terre. Mais qui sécurité de Mali, là? Mais qui sécurité de Mali, là? Pape, qui sécurité, même si on retire à mort? C'est pour les armes, c'est pour les machines, c'est ça qui fait. Mais le PM a dit autre chose. PM n'a dit... Ça a 9 mm, tu retires... C'est pas ça, évidemment, le PM a raison. Ok? On a fini. Mais l'autre bague, il y a des kilos à mon nom. Le pape soutenu, il a dit Dieu, vous venez dire au monde Pétionville, parce que c'est pas bien, parce que c'est un fini métal qui a serré. Donc, il faut qu'on service d'intelligence. Pourquoi l'intelligence là? C'est pas pareil, c'est pareil. De qui c'est parlé là? De qui c'est parlé là? Donc, regardez. C'est un pays extrêmement difficile. Comme si, les gens clouent là. Et puis, n'a pas dit PM. Comme si monsieur pas dû me parler comme ça. Monsieur, c'est con, vous m'avez donné. Et, Nigo, il a brassé vent. Hein? Nigo a brassé vent. Pas de quoi, pas de moyens, il y a brassé vent. Et puis politique là, tout mélangé. Regardez, il y a brassé vent. Mais comment même, je dis, et pas seulement ça, les États-Unis disent, faut attaquer mon Dieu. Oui, on peut parler de ma vie. Mais il y a qui moyen. Oui, peut-être non, oui, peut-être non. Pour attaquer mon Dieu, pour le président parler de ma vie. Mais avec qui ça? Avec qui ça? Avec qui ça, vous parlez vraiment Dieu, avec qui ça? Vous tenez dans les Américains, vous dites ça, les États-Unis disent ça, mais à qui ça? Pas de moyens! Pas gagné! Bon, monsieur, il n'y a pas un couple dans le pays. On va tout expliquer ça. Hein? Bandit, hein? Je vais examiner les machines, et la poche, je vais voir un bon, paquet de groupes de pouvoir. De l'opposition, de secteur privé. Ça, c'est business pal. Musique à côté, ça y est, business pal. Business pal a marché. On est, la police a fait opération sur 400 Maroso. On est à filmer Négio, qui n'est pas bon, qui probablement pas armé, pour jamais suis d'après là. Nous même comprenons ça, mais vous faire. Vous montrez qu'ils ont mieux gagné, hein? Qui force yo. Deuxièmement, vous montrez organisé. Pour monter nous, ça vous a fait. Mais nég, qui t'a fait goûter ou dans la vidéo que me relevé. Je ne dis ça comme si pour attaquer nég, par exemple. Nég qui a filmé, et monsieur qui porte logistique. C'est monsieur qui est tout chargé, monsieur qui est tout balio, et puis c'est monsieur qui a filmé. Oh, le mal attaqué. Faut gagner logistique, faut gagner ça. Vous avez dit parlé. Tenez non, bon bas ça, bon bas ça. Monsieur, il a trompé lui. C'est 62 ça, c'est pas 756, c'est non. En même temps, il me connaît, il a dit non, il a dit bas ça. Non, c'est qualité des amis, cartouche pour nous. Ça veut dire qu'on est capoté. Pendant qu'on a couru, qu'on est capoté pour eux. Parce que si on est couru comme ça, parce qu'il y en a qui t'a poté pour eux, parce que pendant qu'on est poté, ça veut dire qu'ils sont des gens organisés. Parce que la police a venu, ils ont tiré loin sur la police. La police n'est pas capable de faire comme ça. Nous sommes en train de avec intelligence. Il faut qu'on service intelligence qui paye bagaille pour qu'on prenne. Le ministre est en Haïti. Où elle crase tout le monde.
c'est pas intelligence que tu gagnes à ça pour seulement non. Yo paye moun, yo gagne matériel. Ouais, c'est manger ou manger de l'eau de l'eau. Yo crase monsieur Mouline en charrue, char monte le crasel, mais nous pas gagner nous-mêmes. Donc, alors, en termes de conclusion, moi dis nous que la police a gagné 14 400 moun. Ok? Il y a 2000 moun déjà qui n'ont sécurité, oui, sécurité rapprochée. Et un paquet qui est révoqué, un paquet qui est démissionné, un paquet qui est malade. Donc, à partir de ça, on nous dit, je vous dis, si nous voulons résoudre le problème de sécurité, il faut s'être opposé, il faut nous, entre nous, chita, réfléchir sur ça. Le spectacle est hideux. Nous très laide. Nous avons tête nous comme ça. Et puis, on va encore. Quand quelqu'un a servi la République, il y a une façon de traiter. Pas traiter mon nom comme un chien. Comme si nous avions dit, nous n'avons pas voyé. Nous comptons mon pays. Seul monde qui a des outils avec force dans mes là. C'est Jovenel. Parce que lui, on mettait comme président, il m'a avoué. Peuple a mis. Ah, mais ça, tout reste pour nous. Et qui s'en a parlé là? Des nègres qui montaient au pouvoir à la faveur de nos circonstances. Puisque, n'est pas de faire campagne à Jovenel, ou on est maintenant dans le travail. Nous n'avons pas touché bien. Nous n'avons pas mangé. Quelques armes. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait un moyen pour briller. Au contraire, son dernier maïsa, c'est qu'on quitte pour quitter. Parce que vous n'avez pas besoin de fier pour le pouvoir. Vous n'avez pas besoin fier pour le pouvoir. Parce que ce n'est pas fier fierté, je dis, là au pouvoir. Parce que c'est manger, manger nègre, là au pouvoir. Le peuple n'a pas vu. L'opposition n'a pas vu. En tant que pouvoir, pas vu. PHC n'a pas vu. Président n'a pas vu des gars. Premier ministre n'a pas vu des gars. Directeur général là, lui-même a regardé des CPA avec des DDO qui n'a pas vu. Parce que nous avons demandé. DCA, pas un gabarit comme. Logistique, toute machine en panne. Amère patrie, c'est un pays à fuir. Tout n'est qu'à me diriger, et toutes ces mêmes. Bah. Bon, Gary, on nous a passé. Dès qu'on est là, ou alors on dit comme ça que, on va pas vous dire, dès qu'on va appeler, on va dire. Mais, Gary, dans ça, on se dit là, ça permet que, et moi-même personnellement, moi fait de déduction. C'est, j'ai une première hypothèse, campagne, que Gary, ouais, considère comme mon hypothèse, parce que c'est en considération. Côté que Gary montrait, pratiquement entre le PM, et le DG de la BNH gagnant lutte pour garder le pouvoir. C'est la première hypothèse, première considération que GPPC lui-même y fait. Mais l'analyser considération ça, est pratiquement au bagage ou capable d'analyser. Parce que Gary montre que, effectivement, que ce soit le PM, que ce soit et le DG de la BNH, bon problème de légitimité, puisque ils ont pacte et j'ai une bénédiction par demain. Effectivement, parce que pour ces yeux-là, ils n'ont pas respecté, puisque nos situations exceptionnelles. Maintenant, là, il y a des hypothèses que tout la donne légitime et puis PM, non? Que ce soit PM, non? Que ce soit DGA à Boumé, puis regarder pouvoir, regarder passion. Là, on m'a posé un problème de cohérence. Ah oui. Nous avons demandé, est-ce que pratiquement PM joue lui-même est cohérent? Si nous avons, par exemple, regardé l'hypothèse que j'ai lui-même, lui voyait responsabilité à DGA. Pour montrer que il n'est pas responsable. C'est DGA. Là, moi, je pensais que,
pour problème de cohérence. Problème de cohérence là, loi fait liaison entre déclaration PM ou fait, PM n'a fait antérieurement, et déclaration ça le fait hier. Ils ont que l'État pas existé ni sous papier, ni dans la réalité. Il dit lui-même, il par contre comment le fait là. Donc maintenant, si en fait, ou dit, ou par contre comment on fait là, ça veut dire koto, il y a là l'espace là, on peut arriver à la déduction qu'on n'est pas à l'aise. Mais si on n'est pas à l'aise, je dis à souvent pas pour mettre rien, qu'on démissionne, ça veut dire, question bataille pour renvoyer responsabilité qui vous gagne. Bayon moun pour garder pouvoir, là gros problème de cohérence. Le PM est incohérent. Okay. C'est ma première considération. Okay. Mais si vous permettez avant d'aller dans la deuxième considération, en fait, de manière globale, le regard de M. Zao, qui ont même, en fait, gagné un même patron, le président de la République, qui nommé tous les deux, posez peut-être une question, qui Jean, puisque c'est la garde hiérarchie, hein, président, premier ministre, ou une jeune directeur général là. Oui. Et par le fait que c'est le premier ministre lui-même qui font constat que le DG ne contrôle rien, c'est une quoi déclaration Jean-Gaï expliqué, et Jean-PM n'en dit, il dit qui côté gagne pas trouvé, et là, il vérifie, il n'y a rien, pas gagne pas trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que PM n'a constaté que le DG, le directeur général de la PNH, ne contrôle rien. Parce que si doué gagne pas trop, pas gagné. Et directeur dit gagné. Est-ce que le thème est l'ordre là ou pas respecté? Et là, qu'on y a un constat, premier ministre, dit lui-même en tant que premier ministre, comme chef du CSPN, faut sans doute décider. Et dans la décision de prendre, supposons que les discuter avec le directeur général, là, pas rien qui fait. Et moi-même, contrairement avec Jean Garitéré sous angle, que le théorie là, moi, sur l'autre angle. Pour moi-même, nous avons un premier ministre qui, sans doute, prêt pour le plier bagage, mais qui capable en même temps de faire un pile de dégâts. Franchise, lui, capable de faire que. Peut-être c'est des dégâts qui ont arrêté dans la tête, dans le sens que pour dire, PM n'a pas j'en te dit la galant, et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il prend l'état, il déshabille, il mette sous table. Tout le monde a gardé, il y a l'état, il y a un problème. Mais il dit fait des dégâts pour retourner dans son table dit à l'heure, en termes d'harmonisation. Ça veut dire que, après que noter ça, gagne sous le dit là-haut, pour les machines véhicules 80 qui n'ont pas gagné, pour ton prince unité spécialisée par les machines, qu'on y a dit peut-être que même si le directeur général a une volonté, est-ce que l'étape capable, effectif, non, décision de l'étape effective, patrouille dit la gagne, bon, si pas les machines, comment vous faites les patrouilles? Maintenant qu'on y a, conflit ouvert, j'en t'ai dit tout à l'heure, on pas tellement garder la cohérence, non? Ou bien incohérence de PM, non, malgré des conflits entre deux négios, pas de harmonisation entre les deux. Mm-hmm. Donc finalement, qu'on y est, hein, puisque si dans une chambre fermée, ils ont discuté de ça, et on a dit incapacité au fait que n'ont pas qu'à jouer nos décisions, ils n'ont pas qu'à prendre solution, à problème d'insécurité. Hein. Et si le PM lui-même, il a proposé un plan stratégique en matière de sécurité, qu'on y est, si c'est directeur général n'a pas qu'à appliquer. Moi, c'est que le bail est problème de cohérence. Non, mais pas le problème de cohérence parce que tout à l'heure, on dit que PM dans lui-même, il est prêt pour plier bagage. Non, on pense. Oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, il va faire le côté que Jean Garitéré dit qu'il n'y a pas quitté Paul. Non, maintenant, moi-même, je me pose le problème de cohérence par le simple fait que, antérieurement, PM n'a dit que l'État va exister ni sous papier, ni dans la réalité. Donc s'il va exister, on l'état ob dirigé au PM là, il va exister sous papier sur la réalité, sous ta cohérent, ou ta supposé plier bagage là. L'autre dit qu'on ça par exemple, bon l'état là c'est tellement et je le fonctionner, il pas semble avoir et pour être toujours
Là, il y a un problème de cohérence. Mais donc, le maintenant, fait de constater, maintenant, le fait on a les première non, est-ce que constate la thèse de l'illégitimité la thèse de est-ce que par le fait que ou constater ou rentrer non structure qui en fait dépourvu de tout un bon exemple PM qui dit je n'ai l'état qui pas existé on tape plus à l'aise pour me dire monsieur place n'est pas là dans la mesure où moi le pape fait un lui-même pour le changer ça si par exemple me vienne continuer me garder moi PM ça chita font pas quelle déclaration et monsieur gain de action l'action gouvernementale que le mener et moi monsieur échoué avec elle en plus à rejoindre val pour me comprendre que si PM ça a passé temps à parler il pas poser aucune action qu'elle pas gagne place là. Mais est-ce que PM n'a peut-être pas pensé, supposé, que l'Igumba Gali a fait? Non, mais attendez. Si l'Igumba Gali a fait, peut-être que ce n'est pas démission. Peut-être que l'Igumba Gali a fait. Très rapidement. Ou même, tes ou c'est que pour vous-même, vous pensez PM n'a c'est celle courageux, le véridique. Aucun problème. Vous respectez ça, vous regardez l'autre point de vue. Maintenant, Gali, bon exemple. Gary saute, décrit situation la police là. Des bandits qui ont deux armes à 7,62. Ça veut dire 4 tirs à longue portée. À l'inverse, la police a gagné deux armes de 5,60. Ça veut dire l'écart est grand. C'est ça. Oui. Vous avez dit, côté un PM, qui chef CSPN, qui c'est un monde qui a conduit la politique de la nation, mon frère. Oui. L'autre, par exemple, a conduit la politique. Lorsque l'information, ça, parce que moi, certainement, Gary Bierbonchal, dans l'enquête, il y a des informations pour un écart en termes de logistique, écart, de, écart qui existait entre les bandits et la police. Certainement, PM, non, il est au courant. Si au courant, mon frère, il doit faire comme PM, comme chef CSPN, c'est un politique de sécurité adapté, oui, ou bien. Donc, sous base d'informations, ça y est là, mon frère. Nous avons dit clairement que DG a raison. Oui? Attention, on ne de dire que pas une situation de sécurité. Sous base d'informations, ça y est. Nous avons dit que DG a raison. Parce que justement, qu'on écart en termes de logistique entre la police et les civils armés. Si, par exemple, Gary se parlait de problème de comme intelligence. Ou pas qu'un police qui a fonctionné sans intelligence, non? Ça doit supposer rentrer dans la politique de sécurité, oui. Garrison font comme ça, ils ont un problème de cohésion au niveau du gouvernement. Mais c'est bien longtemps. C'est évident. Les PM ont dit comme ça, le pape va le prendre. Et mini-justice à l'époque, et l'Uban de l'île dit comme ça, il va le prendre. Là, un problème de cohésion. C'est clair. Donc ça veut dire, lorsqu'on s'y par exemple, on côté pas beaucoup, on jette l'éponge. Aussi simple que ça. Donc, moi-même là, là, gros problème, mais. Gros problème. Oui, non, mais problème, le fait de constater que la gaille ou pas bon, pas vle dit ou obligé, pas là ou même, parce que non, pendant la fois de constater que vous pas bon, tendez, non, tendez, et puis vous faites quelque chose. Vous parlez des actes. Vous dites, si PM n'a pas fait rien même, s'il n'a pas fait rien, ça c'est là, un bon exemple simple. Allez, ou t'es expliqué tout à l'heure, DG, nous t'es dit. Moi qui ça le fait, allez. Tout à l'heure, allez. Nous t'es dit, DG, ou t'es dit, par exemple, s'il considéré en termes de logistique, n'est pas capable de condamner les gens parce que... Mais certainement, PM n'a pas au courant comme chef, comme celui qui conduit la politique de la nation. On est d'accord, mais... Le PM n'a pas aussi tort, il n'a pas tort, par le fait qu'il constatait que directeur général... En termes de logistique, si PM n'a pas au courant que... Et Gonye Ka, Bandio Genzam 762, la police a Genzam 660. Non, non, c'est pas ça que je dis. Non, 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 mais ça, tant des patrouilles ou dit par les machines. Non, c'est pas, voilà. Et là, il y a des patrouilles. Non, Gary Sondi, on va aller à la claire. Gary Sondi, on va aller à la claire. Ou pas gagner police. Police efficace. Exactement. Sans logistique. Non, les... Ou pas gagner police efficace. Non. Sans intelligence. Nous, en face... Intelligence, on l'a découlé de politique de sécurité. Nous, en face de Parti pro-nette dans ça. C'est le PM qui fait partie de l'exécutif. Exactement. Nous, en face de deux autorités qui, en fait,
en date sans autorité parce que problème moyen imposé. Non, mais voilà. C'est comme si deux mondes voilà. qui, en fait, en situation difficile. Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, en garde, entendez, en fait, son premier ministre, côté que lui, Robin, et expliquer clairement que le directeur général de la police ne contrôle rien. C'est qu'à attendre sa président dans ce maintenant, c'est qu'il y a un pile monde qui a pu jouer. Parce que je ne suis pas satisfait de performance de la police nationale. Je pourrais dire même bagarre là, je ne suis pas satisfait. Deux mondes qui sont parlé là, c'est yok pour satisfaire. Le fin satisfait, moi m'a satisfait. Et ou même en tant que président de la République, vous êtes satisfait. Je n'ai pas prêt si monde dans le gendarme. Mon métier, c'est pas sécurité. Je campile l'autre métier. Tout métier, je choisis de faire ou me faire ou bien. On est vous choisi, c'est sécurité ou pas qui sécurité ou qui métier ou. Dégagez-vous par sécurité, c'est ce qu'on dit ou qu'on fait. C'est spécialité. Chaque l'homme passe son instruction, oui, je pas une machine blindée. Je quelques jours dans votre prince. La médaille ici, c'est deux graines blindées. C'est dans la coupe à l'État national. Et chaque monde qui mourit dans le pays, ou dit qu'on n'a pas M16, ou pas M14, ou pas T65. Toutes ces pistolets que chaque policier moins perdu, son pistolet que fait. Mon 9 mm, mon 38, mon Beretta. C'est ça que fait. Sécurité, ce n'est pas affaire de Simon, même genre politique, pas affaire de Simon. Moi, toujours dit déjà, et moi, dit plusieurs fois, et moi, clair sous lui. Je vous dis même bagarre là, et je profite. Si le président merci, qui m'a donné toute l'attitude pour mon travail. Il y a trois mots qui finissent par Sion. C'est nomination, c'est révocation, c'est démission. Moi-même, je m'attends le résultat. Je ne sais pas qu'on échoue dans la vie. Je ne pas venir là, je viens échouer. Insécurité, il y a moins deux bébés que je perdu dernièrement là. Moi, je dis moins perdu parce que je suis père de famille. Le me parler, tout le monde, oui, je ne sais pas de qui ça m'a parlé. Oui, je sais de qui ça m'a parlé. Mais avant, je suis premier ministre. Nous sommes papa. Il y a un sentiment. Moi, je dis m'offusquer tout le monde fâché. Moi, je dis pas satisfait tout le monde fâché. Je dis que même j'ai tout le monde, pas prêté que dans le monde. Je suis fâché, le leader me dit. Je suis pas content de ma gueule. Je dis pas content. Pour soit mon fâché, je suis baqué. Je suis clair sur ça. Je veux sécurité dans tout le pays. Je tire mon enchantement. L'autre jour, l'homme perdu au Danès, son policier que m'habitue avec lui, parce que le policier qui a fait circulation, tout le temps dans la rue. Femme voyant ça, tu as dit, président, mettre pied à terre, moi, mettre pied à terre. C'est pour ça le bon job, là, pour mettre pied à terre. Et vous avez raison. Parce que les soirs, l'homme prend machine, moi, je suis sorti, parce que, gardez le c'est Jouk qui est sorti, gardez le c'est premier ministre. Il y a un scandale dans la rue, il y a bruit. Plusieurs machines à courir de M, de toi négazam, ah, c'est premier ministre. Mais là, je t'ai sorti, pour col. Quel est le paraît non station, je parais policier. Le par la directeur général de la police, là, me dit, attendez, qui côté m'a pas trop aujourd'hui, hein? Les dîmes. Mais le mal est m'baoué. Bon problème dans la police. Bon problème. Un monde, c'est ou chef ou pas chef. Ou chef prend responsabilité ou l'on passe l'autre, c'est pour l'exécuter. Moi-même, je suis fatigué. Et je suis clair, je dis ça là, devant la télévision, devant le président de la République là, devant le ministre de la Justice là. Excusez-moi, je ne peux pas changer à 59 ans. Je suis bien content, je menti même Jacques, tout le monde pour prétexte. Je ne peux pas prétexte. Ou pas mettre un premier ministre pour venir pour prétexte, ce n'est pas ça qui intéresse ou même. Et l'orel ou fâché, m'oblige à baisser bas parce que je n'ai pas raison. Je n'ai pas qu'à venir raconter, oui, président, roche manger cabrit, cabrit manger roche. Non, cabrit pas gain dent, roche pas gain bouche.
Moi, clair sur ça. Moi, pour mettre sécurité, ma baille. On monde, vous voulez faire le job là? Vous ne voulez pas faire tout? Pas un autre monde faire. Parce que moi-même, là, comme Premier ministre, je compte qu'il y a 200 monde. Qui est ce Premier ministre? Non, c'est vrai. Moi, compter, moi, j'ai 200 monde qui peut être Premier ministre. J'ai un petit bel garçon, j'ai un petit repassem, j'ai un compétent tout. Donc, moi, j'ai un privilège, Premier ministre, il faut que je m'endosse ses responsabilités en tant que Premier ministre. Et si je ne peux pas aller, je vais quitter. Mais comme je ne peux pas faire président satisfait, je ne peux pas faire population satisfaite, il y a révoqué. Son paysan mien, si vous révoquez, je vous en pile. Si vous révoquez pour l'autre raison, ok. Mais révoquez pour incompétent, pour les gens qui ne peuvent pas avoir résultat, je ne peux pas prendre. Je vais appeler le directeur général PNH, premier contact que j'ai avec elle. Je dis, DG, président est là. Je besoin de l'homme qui est au côté, il faut que la tête tremble. C'est ça qu'on chef police. Comme si le Premier ministre là me débarque en côté pour ne pas connaître le Premier ministre qui est là, je suis désolé. Que mal l'église, que mal la prière. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin de prétexte. La population a souffert. Bon journaliste, l'homme a été une nouvelliste interview à l'autre jour. Bon gros autorité dans le monde qui est les mains, qui dit, ah, PM ou interview ben là. Et interview à Dieu, est-ce que ça veut dire ou pas faire la police la confiance? Parce que yo investi tout dans la police là et c'est une formule. Il fait que 25 ans, on a 25 ans ou à Pindim, ou il est jeune. Comment jeune non? Moi, à 19 ans, je suis un premier petit, je suis un travail. Donc la police là, tout dans sa renom bouche, il fait dans son oreille à 25 ans et pour Abdim, il est jeune toujours. Même dit non. Moi, je fais un pile confiance à la police là. Directeur général de la police là, son monde qui est intègre, son monde qui est correct. Je ne suis juste pas satisfait de performance. Ça veut dire, DG, moi, tout ça, devant le président, devant toute autorité là, devant la première dame, non? Devant le peuple là, devant la population. Et mon problème, moi, et Premier ministre, il y a 11 millions de monde et quelques cap gado là. Voilà, bon. C'est devant tout. En tout cas, peuple, voilà. Ma botte, tout ça qui a besoin. Si je ne parle pas de ZAM long, de M16, de T65, bon, moi, ce n'est pas métier. Hein? Parce que tout le monde qui mourut, mourut à l'intérieur de Port-au-Prince. Son pistolet que ça, c'est yon. Si je ne dis pas, chaque fois, que je me viens bien de Bombay, à qui l'argent? Il y a 15 ou 20 blindés déjà dans le pays, dégagez, quand on côté, clean pays à bon moins. Clean, nous sommes capables. Nous avons compétences pour ça. Qu'il y a satisfaitement des moyens, nous avons moyens déjà. Moyens ou pas en pile. Même si nous déjà, si nous avons sécurité, tout l'autre bagage vient après. Après ça, nous, chaque mètre de mon blindé, 16 000 blindés, je vais acheter. Mais le difficile, à chaque fois que nous avons une police là, jeune ou qu'elle manque moyens, comment elle manque moyens? Alors, président m'a campé là parce que je ne t'ai pas allé pour 5 ans. Mais il faut que la police là leve pied. Me fait confiance. Il n'y a aucune compétence. Bandi, il a quitté le village de Dieu, rentré là. Il faut que je ne pas tourner côté de Dieu. Soit il y a le pénitencier, ou bien le quoi des bouquets. Ou bien il y a le nom de la route. Pas besoin de citer côté de vous. Mais que allons-nous l'autre? Moune fâché dit me parler avec Bandi. Oui, téléphone pour moi. N'importe qui me la donne, je n'ai pas de téléphone enregistré sur le téléphone. Je ne réponds pas à n'importe qui. Et moune qui a plein, je ne sais pas même connaître si je n'ai pas alimenté Bandi. Les chances nous avons Bandi, c'est qu'elle est sincère. Ça me parle avec vous. Je vole, je joue au volet, je dis oui, PM. Nous volons, oui, nous te volons un camion. Nous criminels, nous tuons monde, oui, PM, nous criminels, mais nous besoin quitter, nous besoin qu'on vienne faire des bails sociaux pour nous. Mais il y a des gens qui vont alimenter en ZAM. Moi, dis-nous déjà qui nous y est.
Et pas moi non pour qu'un fusil qui pourra l'arrêter, non. C'est Job Pan, ministre de Justice, directeur général de la police. Nous avons tout moyen. Nous avons pile. Mais chaque monde a un petit moyen pour travailler. Fais-moi ça, nous avons fait. Par rapport à la situation sécuritaire générale dans le pays, en vue de répondre à la mission de la police nationale, eh bien, depuis, nous travaillons sur un plan de renforcer les dispositions pour, de sécurité pour mieux sécuriser la population haïtienne, tant la sécurité des vies et de leurs biens. Mais juste à eux, dispositions ça eux, ils vont entrer dans le cadre de plan de sécurité globale et opérationnelle. Et plan de sécurité globale et opérationnelle, ça, il consiste sur plusieurs axes. Il gagne sous plusieurs axes, il gagne pour nous garantir rentrée scolaire, garantir activité. Nous gagnons pour nous renforcer des patrouilles dans les zones névralgiques. Nous gagnons tout pour nous sécuriser fête champêtre. Parce que grand pile monde dans fête champêtre n'a pas parlé de sécurité. Nous gagnons tout pour nous sécuriser toute activité récréative et festival dans le pays. Hein. Parce que n'oubliez pas, les SAO, c'est deux points à parler de sécurité. Il y a pour sécuriser tout les routes nationales et une politique qui est bien établie pour nous sécuriser les grands axes. Il y a tout pour nous démanteler les grands armées. Et c'est une langue moins plus fort la donne. Parce que je fais déjà, je m'habitue à faire et je connais comment pour me faire. Nous gagnons tout pour intensifier la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Et la criminalité transnationale organisée est à cheval entre les groupes armés. Nous gagnons tout pour combattre le kidnapping. Et le kidnapping, je m'habitue à combattre. Je me rappelle même quitter le pays. Et puis, nous avons quitté la zéro cas de kidnapping. Et malheureusement, là, pour mon job, on prend avec tout passif lié à actif. Et je ne plus passif. Qui est actif dans le job. Là. Et notre travail pour améliorer ou rétablir les conditions de sécurité dans le pays. Et plan de sécurité global, ça, les viser en priorité, en premier lieu, le démantèlement des gangs armés. C'est premier, démantèlement des gangs armés, le combat contre, contre le kidnapping. Et plan, ça, les débuter avec lancement. Opération comme faite lancer là vendredi matin qui relève opération Terminator 1. Nous tous nous habitués à garder, nous tous qui là nous habitués à garder Terminator. Ça veut dire que c'est une ne gardien de lutte pour attaquer problème gang armé dans le pays. Parce que le plus gros problème, non, c'est gang armé et insécurité. Coûter plus cher que la sécurité. Pour rétablir la sécurité, pour combattre l'insécurité, il faut dépenser pour en termes d'équipement. Pour ce qui est d'équipement spécial. En parlant d'équipement dirigé, vous avez fait des demandes oui. Que, qui pourquoi on l'a d'équipement, on va parler de Jean, ministre de Justice, on va parler d'équipement pour, oui. Pour policiers et autres. Mais comment ça est avec bon, et, les, Ma tout profité et mes excellences pour Mando pour ta parler à l'autorité centrale pour ta accélérer le processus. Non. Parce que l'équipement la permet que la police dans lui remplit mieux le rôle et puis lui accomplit la mission qui s'est servi à protéger. Parce que. Vous avez dit, n'a pas parlé de tout équipement de protection individuelle, ça n'est pas pour les policiers. Hein? Vous parlez de véhicules, vous parlez de. Parce que est-ce que détails, le Premier ministre, nous recevons détails déjà à partir d'équipements aéro? Monsieur le Président, nous recevons détails. Et nous voyons 7 véhicules déjà. Nous avons 7 véhicules où tu passes l'instruction déjà qui pourraient aller dans le nord. Il y en a 2 qui pourraient aller dans le nord-ouest. Et discuter déjà avec le directeur général de la police, là, m'a parlé une vingtaine de l'autre véhicule. Mais détails, détails, me l'ai dit. Non, l'hypoco. L'hypoco, vous voyez, non, spécification,
Ok, ça veut dire que je me connais où vous un dossier pour une quantité d'équipement de protection individuelle. Oui, équipement de protection individuelle. Équipement de pénis avec infusion tactique de type légère, surtout pour opérer dans les zones sensibles. Est-ce que nous voyez des détails ça déjà? Oui. Non. Nous recevons des détails. Gilet pare-balles. Gilet pare-balles, et tout ça. Non, équipement de protection individuelle, je l'ai dit, c'est détail, même besoin qu'on ait. Est-ce que détail. Demain matin, on va besoin de tout document ça. Oh, ça veut dire document qui détaille tout ça. Oui. Parce qu'il y a un principe, Excellence, un homme, une mission des moyens. Nous ne sommes pas capables, je dis, pour ne pas de comparaison entre manque d'équipement et la compétence. Et la compétence, tout le monde a une formation académique. Moi-même, personnellement, je fais infanterie militaire. Je compte ça m'a fait. Et je prouve déjà, dans le cadre d'opération de Terminator 1, il y a plusieurs arrestations qui sont faites. Même son professionnel, ma travail. Et opération ça, le peuple a pris au courant. Surtout, assassinat, petit bébé qui fait sous Gantier, il y a eu une arrestation qui fait. Nous arrêtons les gens qui te fait ça. Il y a eu une arrestation qui fait, il y a une cuisson qui fait, il y a une opération qui mène en base, sans Marozo, il y a une arrestation qui fait. Et opération a continué. Opération Terminator 1, il est allé son période de 6 mois. Son période de 6 mois. Et pendant 6 mois, nous prenons le travail pour nous rétablir les conditions de sécurité dans le pays. Mais pour rétablir les conditions de sécurité dans le pays, bon, bah, c'est important. Parce que le travail de la sécurité n'est pas seulement un travail de police. L'aller au-delà n'est pas seulement un travail d'équipement. Équipement n'a pas amélioré, il n'a pas acheté équipement, mais il faut nous acheter équipement qui répond à la réalité. Si je par exemple, moi j'ai des kits, comment des kits pour courir derrière les kidnappeurs qui sont au foreigner. J'ai un problème électrique, éclairage, pas d'électricité, parfois les peuples arrivent la police. Eh bien, la police n'est pas allée dans une série de zones. Problème d'électricité. Parfois, les arrivées, je vois une grosse barricade qui dépassait ce que nous voyons. Ça veut dire que nous avons besoin d'un bon 4x4 pour la police, c'est-à-dire même capable, visible, pour le faire travailler. Moi, ou comment donc quantité dans document? Oui, dans le document. Et l'autre bagage qui est important, bien, le rôle citoyen. Parce que le problème de la sécurité, tout citoyen, tout sauveur, faut dénoncer par la police. Eh bien, gang armé, groupe armé, qui va habiter? Il va habiter même côté avec tout citoyen. C'est là maintenant de tout pour leader communauté. Si il y a information, il faut partager renseignement à la police. Parce que l'information est vitale, l'information est même gens, avec nourriture qu'on a besoin pour manger. La police a besoin d'information. Et une bagaille qui est importante, dans le cadre d'opération tactique, eh bien, il m'a dit patience et la précision. Parce que patience à la précision, hein, dans toute opération, pour éviter dommages collatéraux et effet de surprise. Et l'opération qui est lancée là, pas de monde qui te connaît que l'opération s'est lancée. C'est ça qui fait à plusieurs reprises. Je m'en dis qui est l'opération faite. Moi, toujours dit, il n'y a pas ni date, ni l'heure, mais la fête quand même. Et Yonan Bagay me voulait dire que la police n'a été l'ennemi juré des bandits. L'ennemi juré des bandits. La police est seule force détentrice de la violence légale. Et sous commande maintenant, pas de bandit qui a fait la loi. On a eu un problème, manque d'équipement. Mais pour l'équipement, DG, ça a été travail là. Nous connaissons le travail d'équipe, ce travail d'assemblée. Ça a été dit. En fait, le ministère des Finances, qui côté lié avec le PM pour affaires. Est-ce que. Parce qu'en fait, moi, je connais que l'équipement, il y a tant que vous pour préparer. Tout ce n'est pas des bails. Je n'ai pas parlé d'équipement de protection individuelle. Il y a un peu pour véhicules. Nous connaissons peut-être ces 2-3 mois, là, on commande des véhicules pour arriver ici.
mais et pour équipement pour protection individuelle qui comme des machins. Et j'en connais un, et le directeur général de la police là, travaille sur spécification. Parce que faut que l'Iba nous salve exactement. Qui m'a clé, qui j'en le vle. Bien sûr, vous savez, C'est des gilets niveau 4. Mais c'est vous-même qui a préparé. Des gilets niveau 4, là, les permettent que les bien policiers, unité spécialisée qui est sur le front, et bien sur le front, les qui a résisté à n'importe quel assaut, Jean-Madame Nanté dit là, des armes de calibre 7,62. Premièrement, dans le théâtre d'opération, il faut que les policiers lui-même soient en état. Et ça fait, pour toute opération qui est réalisée, qu'on y a ces opérations qui fait sous base et fait surprise. Étant donné, nous ne pouvons pas mettre toute stratégie de la police là sur la voie publique, nous travaillons et nous rétablissons les conditions de sécurité dans le pays. Et nous profitons tout pour me bailler la population garantie que la police nationale là, l'a fait tout ça qu'on est pour les faire population et eh bien les gagner perdre en tête. Les pas penser à l'insécurité. On prend le travail pour que la population haïtienne, non, que ce soit la population qui est en diaspora et haïtien qui est en diaspora et haïtien qui est en Haïti, moi, je garantis que tout gang armé, ils seront démantelés. Très bien. Ils seront démantelés, ils seront conjugués au passé. Ils sont conjugués au passé. Ou bien aller en prison, ou bien nous neutraliser, et puis pour y rejoindre Satan, le diable, pour y rejoindre Barou. Je ne sais pas, m'a demandé l'aimement d'équipement. Comme technicien, je compte pour qui ça m'a d'équipement. L'aimant de tel type d'équipement, je compte pour qui ça. Parce que c'est moi-même qui me connais pour qui ça, je compte qui bon bralé, je compte qui ça m'a fait. Et passion, moi, c'est arrêter bandit. Pendant le premier ministre dit, moi-même pas dormi depuis que je arrêté bandit, parce que vie moi, je fait pour m'arrêter bandit, c'est travail moi. Et je demande que, pour accompagnement pour le ministre, hein, pour nous jouer l'équipement nécessaire, et je pense que l'équipement n'est pas bien suffisant en matière de police, mais avec le peu, on a fait le maximum, on a payé le maximum. Le Premier ministre, les mandats d'équipement, je connais qui ça m'a donné, je connais pour qui ça, je connais l'objectif là, c'est qu'on ne peut pas faire sécurité de la vie.